ça y ressemble. Retrouvez Fabien en immersion totale. Les amis, pour ce jour de l'an, eh bien, nous avons déchargé le matériel, la remorque est garée ici et puis évidemment déchargée ici. Donc on se trouve en Normandie dans un petit village et au-dessus, à l'étage, il y a une salle cinéma. Donc j'ai visité la salle il y a peut-être un an et demi, deux ans. Et là, je m'apprête à garer tout tranquillement. Cette soirée, sans Sylvestre, auquel on va bien sûr s'amuser, on va danser tout au long de la soirée. Nous sommes eh bien, en Normandie, made in Normandie, où l'on va animer la Saint-Sylvestre, le 31 décembre bien sûr, la soirée que tout le monde attend en fin d'année. Regardez-moi cette petite décoration. Donc j'ai mis, justement, j'ai testé, on m'a dit... La dernière fois, elle m'a dit « Pourquoi tu ne mets pas tes DMX par 36 ensemble ?» Bah, j'ai dit « Bah ouais, ok. » Bah là, j'ai mis derrière, là, j'en ai mis trois, histoire de mettre un peu de couleur. J'en ai encore deux autres qui sont pas encore branchés, mais ça me sert pour faire une décoration mariage. Et là, je pense que là, ça donne un bel effet. On pourrait mettre d'autres couleurs, mais je trouve que violet, ça fait classe. À l'écran, on peut voir que c'est un peu bleu, mais là, c'est violet. Alors, pour les tables, où sommes-nous placés? Donc, nous sommes sortis en famille pour animer la soirée qui est là. Nous sommes là, sur cette table-là. Voilà, trois personnes, femmes, musique. Musique indiquée en allemand. Évidemment, musique avec un K, c'est en allemand. Alors, il se fait 19h bientôt, peut-être, enfin, je sais pas, 18h30 peut-être. Je regardais ça, on peut même pas voir l'heure ici. Alors, bah, c'est pas grave. Bon, alors on va essayer d'aller voir ce qui se passe du côté de la sono, qui devrait donner assez bien. J'espère les amis que tout va bien, on est ensemble pour passer eh bien, la Saint-Sylvestre. Nous nous trouvons dans l'Orne cette fois-ci et non dans la Sarthe, et non, hein, ça change. Hein. Donc les invités commencent à arriver, regardez, donc ils sont tous déguisés en fluo, certains, hein, justement, qui sont là aussi pour faire la fête, et ceux qui ne sont pas déguisés, ils font aussi la fête, j'imagine bien. Donc vous avez pu voir tout à l'heure que j'ai voulu installer le vidéoprojecteur avec le décompte à rebours jusqu'à minuit, mais en fait le résultat c'est que j'ai préféré l'enlever parce que, faute de manque de place, j'aurais eu plus de place pour l'installation, ça
aurait été bien. Mais c'est vrai que si je mets le vidéoprojecteur sur la sono en face, je serais souvent en train de cacher des comptes à rebours. Donc j'ai préféré laisser comme ça sur une lumière d'ambiance. Et donc la scène est pas très très grande. Donc déjà on a nos piliers qui nous gênent un petit peu, hein, mais bon, on y arrivait. Regardez, on passe entre les deux, ça va. Hein. On avait deux tables au départ, mais j'en ai enlevé une parce que voilà, elles sont assez trop larges. Ça se dit ça? Non, bon. Ça s'installe. Alors nous, on est installé. Regardez si vous trouvez un zoom tout au bout là-bas. Voilà, on participe au repas avec nos convives de table, hein, les gros tuffeurs. Allez, les gens arrivent pour l'apéritif bientôt, donc il se fait 20h30 je pense, 20h20 exactement, et nous attendons toujours les personnes arrivant à la soirée. Bon, eh bien bonsoir à tous et à toutes, vous allez bien? Oui? Vous faites la paix ce soir? Je l'espère quand même. On va passer un bon petit repas ensemble, on va tous danser, s'amuser, faire la fête évidemment, puisqu'on est tous là, pourquoi? Pour la Saint-Sylvestre, pour le 31 décembre, forcément. On change d'année ce soir, donc cette nuit, n'oubliez pas les montres, hein. On va lancer un petit jingle, on se fera la bise après. La soirée commence fort apparemment, parce qu'il y a les sumos sont là, on aura peut-être un combat sur tout à l'heure, je ne sais pas, on verra. Et l'apéritif va être servi dans quelques instants, donc profitez-en, profitez de la soirée. C'est comme le week-end, hein, voilà. Demain on ne travaille pas, donc ça fait plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, un bon appétit à tous et amusez-vous, parce que ce soir il y aura de la danse, mais vraiment pour tous, vraiment pour tous, donc ne vous inquiétez pas, on dansera, on s'amusera. Et je pense qu'au fond de la salle là-bas, on s'est déjà vu quelque part, je pense. On se connaît, après. Bonsoir. Ça se passe impeccablement bien. Les invités sont déjà maintenant à l'entrée. Donc on va servir l'entrée. Il est 21h30, donc tout en douceur, tranquillement, la soirée se passe. Et c'est joli derrière, hein, la couleur, j'adore. Nous sommes tous à table. Tous les convives sont installés. Et nous allons lancer une petite danse juste après l'entrée. On va les laisser le temps de discuter. Il y a quelques personnes qui partent déjà aller fumer leurs cigarettes. Bah ça, les fumeurs, on ne peut rien y faire. Alors mesdames, messieurs, rebonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va? Ça se passe bien le petit repas pour l'instant? Ça va? Tranquillement. Est-ce que vous avez votre serviette avec vous? Vous avez la petite serviette? Vous la faites plus? C'est parti? Plus fort! Pour l'entrée. Allez, profitez de la soirée, à tout à l'heure. On se fera peut-être une petite danse, les femmes. Petite nouveauté, voilà le beau gosse de la soirée, il a amené ses petites platines. Va-t-il mixer ce soir? On ne sait pas. Ça c'est pas le public d'Avicii. Hein. Allez, on continue. Je fais quelques petits réglages. YouTube.
Mais que se passe-t-il? Le Père Noël. Le Père Noël encore? Allez, préparez-vous. Dans quelques minutes, nous allons tous fêter ensemble cette nouvelle année. Regardez bien vos montres, c'est bientôt l'heure. Dans deux minutes. Sortez vos Polaroids, hein, n'oubliez pas les appareils photo. On va passer un instant inoubliable et mémorable. Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Ouais. Ah. On va bientôt tous se faire la bise, tous ensemble, debout ici, ce soir. Juste la bise, hein. Une poignée de main pour les garçons, si vous voulez. Ouais, je dis pas. Ladies and gentlemen, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, 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 bienvenue ce soir dans le temple de la fête. Votre DJ va mettre le feu à la piste. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, attention, il est bientôt minuit. On va lâcher les ballons, on va lâcher les cochons. Prêt pour les serpentins, prêt pour le hit à rebours magnifique. On envoie la jingle. Bravo pour l'événement de l'année. Attention tous ensemble. Allez, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, on se lève. 3, 2, 1, bonne année à tous! Tous les organisateurs et tout le monde de YouTube vous souhaitent une excellente année 2020. On se fait la bise! Que du bonheur pour vous, la santé surtout, c'est très très important. Thank you.
concert ce soir pour 130 personnes. Quoi. Et puis je voulais remercier également Fabien, Musique Anime, voilà, de la Ferté Bernard, qui anime et qui va continuer d'animer cette soirée. J'espère que vous allez vous amuser. Merci, bonne fin de soirée à tous. Laquelle roue ? La remorque. Bonjour à tous et à toutes les amis, bienvenue pour cette petite fin de vidéo. Donc je vais vous expliquer l'histoire. J'étais parti pour animer un 31 décembre, forcément comme tout le monde, comme tout le monde. Il y en a qui font la fête, il y en a qui travaillent, que bon, c'est une passion quand même avant tout. J'y suis allé avec ma remorque pour avoir plus de matériel évidemment, et j'avais une roue de secours, mais la remorque, une des roues a éclaté. Je pensais que la roue de secours était la même, mais non, c'est pas du tout la même, c'était pas du tout la même jante. Mon matériel, j'avais amené un peu plus de matériel, mais j'ai pu arriver quand même à le tasser dans mon véhicule. Donc heureusement, j'ai pu caler tout ça. Alors on a trouvé plusieurs solutions. Donc on est descendu de la voiture, la roue avait éclaté, donc on a entendu. On pourrait la retourner et la faire glisser comme une luge. On pourrait la démonter. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé sur place dans le fossé, je l'ai attaché à un arbre puisque j'ai un cadenas avec un antivol assez grand, et là je pars chercher la remorque. Ça y est, il fallait que je démonte les deux jantes justement pour ne pas me la faire voler évidemment, et voilà, les pneus ont été changés, donc maintenant je retourne chercher, on va découvrir si elle est toujours sur place. Nous arrivons à l'intersection, donc c'est ici sur la gauche, voilà, on s'y approche. Impeccable les amis, ma remorque est ici accrochée à l'arbre, donc je ne sais pas si on la voit. Si on la voit, nickel, elle est là. Regardez, elle est toujours là, on va lui mettre des nouvelles chaussures. Voilà. Allez, on va mettre les feux de détresse. La voici, la voilà. Ah, putain, deux jours ici. Elle est fixée, je suis content, en fait, je suis vachement content de la retrouver. Elle n'a pas bougé, personne ne me l'a piqué. Elle est bien attachée à l'arbre. Allez, on va faire ça, on va se dépêcher parce que j'en ai marre, j'ai envie de rentrer. Donc j'ai escaladé tout ça pour la fixer à l'arbre ici, l'intersection. Voilà, donc on est tombé en panne ici, ça,
ça a éclaté à ce niveau ici, donc toute la galère la nuit. Alors, vous pouvez constater qu'en fait, elle n'a même pas crevé. Ah, c'est la chambre à air qui a éclaté à l'intérieur. La roue en elle-même, bah, je sais pas, on a dû rouler sur un truc. Je sais pas, bizarre. Hop. Voilà, une sale gueule. Hein. Froid, il pleut pas, donc on est tranquille, il fait doux, le temps de refixer tout ça. Donc elle est restée évidemment une journée et un jour, allez, bon, on va dire une journée et une nuit ici, toute une journée entière. On l'a pas piqué, ça fait plaisir.